Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonsoban. Nous nous retrouvons pour un autre témoignage puissant. Ce témoignage puissant parlera de l'enfer, s'il vous plaît. Si vous savez que vous avez peur de ces choses pareilles, que Dieu nous donne toute sa force pour y arriver. Regardez l'écran. Ce que vous voyez là peut paraître étrange. Ça peut paraître bizarre. Vous vous direz sans doute, ah, mais comment les gens ont-ils pu imaginer une telle créature? Mes frères et sœurs, ce sont des créatures de l'enfer. En enfer, il y a des créatures et des créatures horribles. Certains sont petits détails, d'autres ont la taille moyenne, encore une autre catégorie à une taille gigantesque. Regardez l'homme qui est juste en bas. Regardez très bien en bas ici. Vous voyez, on voit un homme qui est là. Il a la taille d'un bonhomme face à ce démon géant. Et c'est aussi, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que le diable inspire des humains afin de présenter le monde des ténèbres. Mais la plupart du temps, les gens pensent que c'est de la blague. Regardez ce qui se passe dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo aujourd'hui, on voit beaucoup de jeux vidéo où on verse le sang, mais pas seulement ça. Les jeux vidéo aussi contiennent beaucoup de monstres. C'est ainsi qu'on voit des jeux vidéo qui contiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monstres. Même dans les Mortal Kombat, Donjons, même dans les films d'horreur. On nous parle des aliens. On nous montre de ces créatures horribles. Et on a découvert que ces créatures existent bel et bien. Et certains même sont enfermés dans une cage. Parce que si on les libère maintenant, si Dieu les libère maintenant, ce n'est pas bon pour nous. Parce que ce sont des monstres, des créatures hors du commun. Ça, c'est vraiment étrangissime. Beaucoup de personnes peuvent penser que tout ça, ce sont des histoires. Et que c'est de la blague. Mais après, même ce témoignage, ce qui va venir, ça va vraiment vous étonner. Dans ce témoignage-ci, nous allons entendre une personne qui va nous dire que pendant un moment de sa vie, elle a eu quelques problèmes avec le Seigneur. Elle essaie de se mettre en relation avec Dieu. Et à un moment donné, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, ce qu'elle a vu ressemble un peu à ça. Cette personne va nous dire ce qu'on voit en enfer. Cette personne va nous dire qu'elle a vu même un musicien, c'est-à-dire, bon, un chanteur chrétien, vous voyez, un chanteur chrétien là-bas. Lui, il était l'un des précurseurs de la musique chrétienne dans son pays. Mais le problème, c'est qu'il s'est retrouvé en enfer après sa mort. En tout cas, cette personne a vu cette personne-là en enfer là-bas. Et cette personne-là se plaignait. Elle disait, ah, moi j'ai chanté depuis. Depuis, j'ai même chanté, j'ai adoré Dieu. C'est moi, j'ai chanté pour Dieu depuis longtemps. Mais pourquoi Dieu m'a laissé venir en enfer? Ah. Le péché secret des gens. Quel était son péché secret? C'est-à-dire le péché le plus, ce péché que les gens appellent souvent le péché mignon. Un péché vilain, mauvais, qui conduit les gens en enfer. Ma prière chaque jour, c'est Seigneur mon Dieu, ne me laisse pas aller à cet endroit-là. Que toi-même tu fasses tout ce qui est possible pour attacher même mon pied, afin que je ne puisse pas aller là-bas. Ça doit être ta prière, ça doit être ta prière tous les jours. Parce que cet endroit-là existe réellement. Vous pouvez penser que c'est de la blague. Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mais les gens meurent matin, midi, soir. Personne ne sait où ils vont. On nous dit qu'il y a seulement deux endroits qui peuvent accueillir les humains. Ou l'âme des humains. On connaît le paradis. Tout le monde aimerait y aller. Mais l'enfer, c'est terrible. De ce témoin puissant, nous allons découvrir des choses hors du commun. Ça parlera de l'enfer, comme on vous l'a dit. Après ce témoin puissant, un autre témoin puissant va venir dès que cette vidéo sera prête. Sur le camp, en dessous, sur le bon ici, nous allons mettre cette vidéo et découvrir ce que nous devons découvrir. Mais pour l'instant,
Nous devons bien nous concentrer maintenant pour bien écouter ce que cette personne-là va dire ici par rapport à ce qu'elle a vu là-bas. Dieu veut nous donner de vrais conseils ce matin. Dieu veut nous aider. Tu dois prier avec moi. Fais-moi tous ces ensemble. Fais-moi tous ensemble. Et disons tous ensemble à Dieu. Seigneur, s'il y a un truc dans lequel je suis qui risque de me mener en enfer, s'il te plaît, que toi-même, ta force qui est très grande et puissante, vienne me débarrasser de toutes ces choses, de tous ces mauvais esprits, de tout ce qui ne te glorifie pas. Ouvre mes yeux aussi, afin que je puisse voir même dans quoi je suis, afin d'être libéré. La vie de debout, je ne sais pas ce que tu veux pour nous. S'il te plaît, donne-nous la force de nous en débarrasser. La masturbation, c'est un grand péché. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Tous les jours de ta prière, quand tu commences à prier, il faut commencer toujours par dire, Seigneur, pardonne-moi un péché. Je ne suis pas parfait. Demande-toi même ta force. Je ne suis pas très fort. Je n'ai pas de force. Ces deux mots-là, ils existent. Mais quand on parle de l'enfer, c'est encore plus grave. Écoutons ce témoignage maintenant. C'est parti. Ce fut dans cette période de la maladie que j'ai commencé à avoir les manifestations angéliques. Donc cette personne, à un moment donné, est tombée malade et elle a commencé à voir des choses d'ordre spirituel, comme les anges, tout ça. Des anges me rendaient visite régulièrement pendant que j'étais allongée à la maison malade pendant 2 ans. Les gens ont commencé à m'appeler le prophète souffrant. À cause de ma situation de santé, j'étais allongée malade et coincée à l'intérieur de la maison pendant 2 ans à cause de la maladie. Un jour, alors que j'étais allongée, le Seigneur Jésus-Christ est apparu dans ma chambre où j'étais allongée. Ce jour-là, quand le Seigneur est venu, il était vêtu de vêtements blancs et il avait des sandales dorées. Il s'est assis sur mon lit à mes côtés. J'ai vu qu'il tenait un livre intitulé La connaissance de Dieu, et il portait une couronne sur laquelle il était écrit Roi des rois. Il y avait d'innombrables étoiles sur cette couronne. Il y avait aussi une couronne d'épines sur la tête qui lui blessait la tête et le sang ruisselait. Il portait une ceinture sur le pôle où il était écrit Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus rayonnait une grande lumière comme un projecteur. Quand il me parlait, je voyais juste une grande lumière. Et à l'intérieur de la lumière était un homme qui brillait comme l'étoile du ciel. Il était léger. Le Seigneur Jésus était comme dans le livre d'Apocalypse 1. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds ressemblent à de l'airain fin, comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix était comme le son de nombreuses eaux. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Le Seigneur m'a dit, Aston, le temps est venu, vous devez vous lever car vous avez du travail à faire. Quand le Seigneur est apparu, il a placé le petit livre sur mon cœur et a dit, le temps est venu, car votre épreuve et souffrance qui sont votre formation sont terminées, et le temps du travail est venu. Ce jour, quand je me suis levée pour la première fois en 2 ans de maladie, les gens ont pleuré, parce qu'ils ne pouvaient pas croire qu'un jour je me lèverais. Quand cette rencontre s'est terminée, je me demandais comment commencer une église. Très vite, j'ai été convaincue par l'esprit de commencer une série de prières, et quand j'ai commencé ces prières, j'ai été rejoint par de nombreuses personnes, dont une dame, qui a décidé de me donner une salle, où l'église est bâtie jusqu'aujourd'hui depuis 2012. Frère, depuis la première apparition du Seigneur dans ce bar, j'avais en moi une joie de prier, et je priais en 2013 dans une pièce. Donc cette personne a commencé d'abord par voir Jésus-Christ dans un bar. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Le Seigneur Jésus-Christ entrer dans un bar pour le faire sortir quelqu'un pour son service. Comment c'est possible? Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Parfois les gens sont là. Ah, j'ai trop péché, Dieu ne peut pas me voir. Dieu te voit. Quand tu parles comme ça, c'est qu'il n'est même pas loin de toi. Dieu a quelque chose à faire pour nous aujourd'hui. Dieu a quelque chose à faire pour nous aujourd'hui. Dieu veut nous délivrer. Seigneur, que ta main descende partout et délivre-nous, délivre notre famille, délivre nos enfants. Qu'une mère nous avait offerte pour la prière, quand tout à coup la 2013 dans une pièce, qu'une mère nous avait offerte une joie de. On va revenir en arrière.
12. Frère, depuis la première apparition du Seigneur dans ce bar, j'avais en moi une joie de prier, et je priais en 2013 dans une pièce qu'une mère nous avait offerte pour la prière, quand tout à coup la pièce était remplie de lumière rayonnante. Quand j'ai ouvert les yeux pour voir la lumière, je suis tombé sur le sol, et j'ai entendu une voix qui disait « Aston, je suis Jésus-Christ, je dois vous emmener en voyage, notre premier voyage sera en enfer, afin que vous puissiez dire aux gens qui apprécient le plaisir de ce monde, et aux gens qui luttent pour les biens de ce monde qui est périssable que l'enfer est réel. Ceux qui refusent de suivre mon chemin finiront dans ce lieu de tourment. » Puis cette voix a cessé de parler. J'ai cru que j'avais rêvé, et j'ai décidé de me lever et de nettoyer le visage. Cependant, quand je me suis levé, j'ai vu mon corps étendu sur le sol et mon esprit était debout. Je pensais avoir une vision. Plus tard, quand j'ai essayé de toucher mon corps, j'ai remarqué que ma main touchait un espace vide. J'ai essayé de toucher une ventilateur qui était en cette pièce. J'ai vu que je ne pouvais pas toucher les choses physiques. J'avais peur et j'ai dit, « Ceci n'est pas une vision, mais quelque chose ne va pas. » Rapidement, j'ai commencé à réveiller les frères qui priaient avec moi. Je leur ai dit, « Réveillez-vous mes frères et mes sœurs, car quelque chose m'arrive. » Du coup, j'ai vu qu'elles ne m'entendaient pas. Je voulais les toucher pour les réveiller, mais j'ai vu que je ne pouvais pas les toucher car mes mains les traversaient. Du coup, la panique m'a envahi. Je suis sorti de la chambre. Quand j'ai vu le propriétaire qui nous avait donné cette salle pour la prière, j'ai essayé de lui parler, mais elle ne pouvait pas m'entendre. Je suis allé à la porte de l'enceinte afin de l'ouvrir et parler aux gens à l'extérieur. Dès que j'ai essayé de tenir la porte de l'enceinte, j'ai vu que j'ai traversé la porte. Quand je suis sorti du complexe, je suis allé voir le voisin pour leur raconter ce qui m'arrivait, mais ils ne m'entendaient pas. J'étais en panique. Maintenant, mon objectif était de rentrer chez moi et de leur raconter ce qui se passait. C'est quand je me déplaçais dans la rue que j'ai vu des gens qui étaient dans la même situation que moi. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais plus dans le monde des vivants. J'ai vu ces gens traversant des maisons, des arbres et de la matière physique. Je pensais que j'étais un homme physique, et je me déplaçais en suivant la direction de la rue. Mais ces gens qui étaient dans ma condition traversaient les maisons, les matières solides et matérielles. Ces gens se plaignaient fait que leur corps était enterré. J'étais à nouveau dans la peur. Quand j'arrive vers le changeur de la ville, j'ai vu un chanteur populaire de la musique chrétienne. Il pleurait et disait, « Pourquoi ces gens ont enterré mon corps ? Je suis maintenant devenu un esprit errant et je n'ai pas d'endroit où aller. » J'ai été stupéfait de voir ce chanteur et j'ai commencé à l'appeler pour lui parler de ce que je vivais. Mais il courait à grande vitesse. Je me déplaçais dans la ville quand j'ai vu la première église. Je me suis dit de tout mon cœur, je dois entrer dans cette église pour qu'il puisse prier pour moi. Quand je suis entré dans cette église, j'ai vu des gens assis sur le sol. Ils avaient des chaînes à la main. Il y avait de nombreuses personnes assises sur le sol en cercle, autour de drapeaux de pays différents. J'ai vu que ces personnes qui étaient assises au sol ayant de chaînes étaient gardées par des guerriers, ce qui avait 4 mètres de longueur. Ces hommes élancés qui surveillaient les captifs tenaient de javelots, et ils avaient sang-froid. Ils gardaient ces âmes enchaînées. J'ai essayé de parler à ces âmes qui étaient enchaînées. J'ai vu qu'ils pleuraient. Du coup, j'ai vite entendu la voix du Seigneur me dire, « Toutes les églises ne sont pas bonnes. » Toutes les églises ne sont pas des églises de Dieu. Il y a des gens qui sont liés par des chaînes à cause des églises qu'ils fréquentent. Beaucoup de gens ont leur âme capturée à cause des églises qu'ils fréquentent. C'est pourquoi beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu. Parce qu'ils sont liés où ils vont prier, ils se demanderont toujours et ils pleureront. Si vous restez dans cette église, vous serez capturés comme ces âmes que vous voyez dans la servitude. Ces guerriers élancés qui les gardent sont des démons. Bien-aimés, j'avais sillonné la terre car j'étais un esprit errant. Finalement, le Seigneur m'a emmené en enfer. L'endroit était vraiment sombre et le sable était rouge. C'était un endroit immense. Je ne pouvais pas comprendre cet endroit parce qu'il n'existe pas sur la terre. Les âmes qui sont tombées à cet endroit disaient « C'est quoi ce monde ? Cet endroit n'est pas la terre et il n'existe pas. » Donc, quand quelqu'un meurt, quand les gens meurent, et que malheureusement ils se retrouvent dans ce monde, ils se disent « Ah ! » Mais nous sommes même où aussi? Parce que regardez, tout est rouge comme ça, regardez bien, tout est rouge. On nous dit que le sable là, c'est rouge. En fait, c'est le feu même qui est là. C'est les gens pour vous dire « Bienvenue ». Et déjà même le sable est très chaud. Pourquoi Dieu même a créé cet endroit? Non, Dieu n'a pas créé cet endroit là pour nous. Mais vous dites tel démon comme ça parce que c'est le monde. Nous ne devons pas les suivre. Jésus dit, le sable est rouge dans cet endroit, cela à cause du feu qui brûle en dessous. Puis j'ai vu une foule immense dans une longue file d'attente.
J'ai vu que ces gens étaient silencieux. En fait, ces gens sont morts aux quatre coins de la terre et ils ont atterri dans cet endroit. Ils étaient de peuples de toutes les races et de tous les pays du monde. Et ils étaient censés regarder le film de leur revue et de leur action, afin qu'ils soient envoyés dans diverses chambres de l'enfer en rapport avec leur acte. Du coup, j'ai vu des gens qui avaient des visages de chiens et de corps humains. Ceux-ci sont des démons qui gardaient ces files d'attente. Je regardais cette file d'attente quand je remarquais le chanteur populaire de notre pays que j'avais vu errer sur la terre. Il était dans la file d'attente, où les gens regardaient le film de leur vie. Quand son tour est arrivé, il se tenait devant le trône de l'ange de la mort Michael. J'ai vu le frère Charles se plaindre et dire non. « Je ne devrais pas être ici », a-t-il dit, « je suis un serviteur de Dieu. J'ai servi le Seigneur toutes ces années. Je ne devrais pas être ici », le frère Charles protestait avec arrogance. En fait, j'ai vu que les enfants de Dieu qui étaient dans cette file d'attente devant l'ange de la mort se comportaient comme s'ils ne devraient pas être ici. Ils se vantaient et disaient, « Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devrions jamais être ici ». Ces croyants ne pouvaient pas accepter qu'ils sont tombés en enfer. Ils ont passé des années de leur vie à aller à l'église et au service du Seigneur. Cependant, j'ai vu que le démon qui survolait l'enfer se moquait d'eux. J'ai vu notre chanteur frère Charles Mombaya dire à l'ange de la mort Nickel, « Je n'accepterai pas ceci. J'ai servi le Seigneur et j'ai chanté pour lui pendant de nombreuses années. Il est impossible que je sois ici. Je dois quitter cet endroit. » Le démon qui se moquait de lui ont répondu, « Si tu avais vraiment servi Dieu, tu ne serais pas tombé dans cet endroit. Les gens qui tombent ici sont des gens qui n'ont pas obéi à Dieu. » Les gens qui tombent ici sont les gens qui n'ont pas obéi à Dieu. Si tu avais vraiment servi Dieu, tu ne serais pas ici. C'est comme là, on va dire que 1 plus 1 est égal à 2. Ça ne va jamais être égal à 3 un jour. Donc, si tu es là, là c'est qu'on a fait le calcul et c'est tombé juste. Voici ce qui se passe et c'est la raison pour laquelle tu es là. Ah! C'est-à-dire que Dieu même n'a rien à voir avec ça, avec cette affaire-là. Qui va en enfer, qui va au paradis, Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu nous a donné la parole de Dieu. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit et marcher en fonction de ça. Et après la mort, chacun sera jugé en fonction de ce qu'il a fait, ce qu'il a écouté et ce qu'il n'a pas écouté. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ce qu'on appelle même nos œuvres. Est-ce que tu as respecté la parole de Dieu que tu t'es en vie? Toi aussi, tu seras là en train de regarder les gens. Il y a plein de personnes qui sont là en train de regarder les gens comme ça. Ah, cela me parle de quoi ici? Parce que ces gens-là, quand on leur parlait de la parole de Dieu, ils disaient, oh, laisse-nous, nous, on est jeunes, laisse-nous faire ce qu'on a envie de faire. La parole de Dieu et puis l'église, c'est pour les vieux. Et ces gens-là ont pris leur temps à faire des trucs chelous, comme chercher les femmes. Profiter de la vie n'importe comment, boire n'importe comment, faire n'importe quoi. Maintenant, voici, la mort les a frappés là où ils ne s'y attendaient pas. Ça ne les a même pas laissé le temps même de dire Seigneur, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi. Ils se sont retrouvés en enfer. Mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire attention à ce qu'on fait. À ce qui nous passe dans la tête. Tu peux être là comme ça, tu penses à tout et à rien, et tout à coup, tu vois apparaître devant toi ton ex. Toi, tu es chrétienne, tu es une chrétienne, ou bien tu es une fois chrétienne. Tu veux résister à la tentation. Et voici qu'à un moment donné, elle apparaît là. Et elle commence à te séduire. Ça peut même être une femme inconnue qui vient devant toi, qui essaie de te séduire. Je vous dis en même temps, mes frères et sœurs, nous sommes en famille. Quand vous êtes marié et que vous allez vers une femme, c'est pour un enfant. Mais quand vous n'êtes pas marié et que vous allez vers une femme, c'est pour péché. Parce que le sexe au mariage, c'est un grand péché. Est-ce que vous êtes au courant? Peut-être que vous êtes au courant, mais vous faites exprès. Les démons aussi sont au courant de ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui seront en train de coucher avec les filles n'importe comment, sans même le mariage, toutes ces personnes-là seront tout simplement en train de pécher. Et les démons vont applaudir pour ça. Est-ce que vous savez pourquoi vous applaudissez? Ils vont se dire, c'est parce que vous ne savez pas ce-même dans quoi vous êtes. Continuez et vous attendre en enfer là-bas. Et c'était ça, le deuxième témoignage qui va venir après ça, va parler. Faites attention. Mais qu'est-ce que ce
ce jeune chrétien-là, qu'est-ce que ce monsieur chrétien a fait pour se retrouver là-bas? Mes frères et sœurs, lui, il est un jeune chrétien. Il est un célèbre, tout le monde le connaît. Il a commencé maintenant à faire des trucs bizarres, comme quoi? Comme chercher les filles qu'il aime. Genre, tu as des femmes et tes fans t'aiment. Et lui, profite cette belle opportunité pour coucher avec les filles. Là. Et c'est ce qu'il faisait en secret. Personne ne savait ça. Mais comme Dieu voit tout, Dieu l'a vu. Même les démons aussi l'ont vu. Tout ce que nous faisons sur la terre est observé par Dieu, mais aussi par le diable et ses démons. Si tu penses que ce que tu fais là, tu le fais de moi, personne ne te voit. Ça, c'est toi qui te blagues. Je te dis aujourd'hui, tous les humains sont observés. Leurs faits et gestes sont observés. 24 heures sur 24. Et l'ennemi travaille pour pousser les gens dans le péché. Maintenant, découvrons son péché. Tu vas bien analyser ce qu'il va dire ici. Si tu te retrouves dans ça, faut te dépêcher de sortir de certaines choses. Commence par dire, Seigneur, mon Dieu, donne-moi la force de t'en sortir, je suis prêt. Dieu va te quitter. Peut-être que cette décision va te sauver. Il y a beaucoup de maladies qui frappent ce temps-ci. Pas de coronavirus, les gens sont tous morts. Tu ne te sautes pas la mort. Mais le fait que tu changes ta vie maintenant, ça risque de t'épargner de beaucoup de choses, beaucoup de malheurs qui frappent et qui vont même frapper encore le monde. Écoutons bien ça. Écoutons très bien. Ils ont suivi la direction de notre maître en refusant le chemin de leur Créateur et Dieu. Ils ont refusé de suivre Dieu et ont décidé de suivre le diable. Ce sont les gens qui viennent ici. Et ce sont des gens qui viennent en enfer là-bas. Comme le frère Charles continuait à protester, sa vie était projetée sur l'écran. J'ai regardé le film de la vie du frère Charles. Là, comme ils discutaient beaucoup, ils disaient non, ce sont des histoires, ce que vous racontez sur moi, c'est de la blague. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir un miroir ou bien une télévision et on lui montrait sa vie, comme il vivait dans le secret, ce qu'il faisait le noir et qu'il a même envoyé là-bas. Écoutez bien maintenant. Et j'ai vu des actes secrets et mauvais qu'il a commis qui l'ont amené en enfer. Je ne peux pas dire ouvertement le péché qui l'a amené en enfer. Cependant, puisque le journaliste insiste, je parlerai de ces mauvaises actions qui ont précipité le frère Charles en enfer. Bien-aimé, la Bible dit que vous n'adorerez pas un autre Dieu mais le Seigneur. Le frère Charles était le premier chanteur chrétien dans notre pays. Pourtant, quand je regardais le film de sa vie, j'ai vu une scène au début de sa carrière. Quand il était sur le point de commencer sa carrière musicale, il est allé consulter un mystique, afin d'être célèbre et d'exceller dans l'industrie musicale. Ce fut un choc pour moi de voir un artiste de gospel recourir à l'occultisme pour devenir célèbre. Premier élément, comme il voulait avoir du succès dans l'industrie de la musique chrétienne, il allait voir un marabout ou un féticheur. Si vous voulez, un occultiste, afin qu'il puisse l'aider à atteindre le niveau. Ça, c'est son premier péché qui est même là. Il ne s'est pas repenti et il est mort. Ça l'a trouvé là-bas, où ça l'a conduit en enfer. Frère Charles a réussi sa carrière et beaucoup de gens l'écoutent, mais personne dans le monde évangélique ne pouvait imaginer que Charles Mombaya avait recouru à l'occultisme pour réussir. Frère, c'est terrible. Nous avons ici le cas d'un serviteur de Dieu qui a recouru au mysticisme pour réussir. Pourtant, le Seigneur est plus que disposé à donner ses serviteurs l'onction pour exceller et pour avoir l'impact. Tout ce que vous cherchez dans cette vie, le Seigneur peut vous le donner. La Bible dit que l'élévation vient du Seigneur. Ce qui est grave et dangereux, c'est que tout le succès que le frère Charles a eu dans le monde évangélique est venu de l'ennemi. Mais les enfants de Dieu ont ces disques. Les enfants de Dieu écoutent toujours ces chansons car il était vraiment intense. En écoutant ces chansons, ils invitent le démon dans leur maison et leur vie. Vous avez entendu ça? Puisque le frère Charles était populaire, beaucoup de sœurs ont demandé son aide dans leur carrière. Revenons juste un peu en arrière. Que le frère Charles, en Voilà. écoutant ces chansons, En écoutant ces chansons. ils invitent le démon dans leur maison et leur vie. En écoutant ces chansons, les chrétiens invitent automatiquement le diable et ses démons dans leur vie. Ah, tu m'as entendu ça? Mon Dieu, mon Dieu. Et c'est à cause du pacte qu'il a fait là.
Ça se passe ainsi. Parce que si le diable ne soutient pas sa musique, si le diable met pas sa puissance dans ses sons, il n'y aura pas de succès. Son succès vient du diable. Gabriel, toi, tu travailles dur et tu sais d'où te vient ton argent. C'est de la même manière, lui, il sait d'où lui vient ce pouvoir qui lui permet de toucher un nombre incalculable de personnes. Et le problème, c'est que toutes les personnes qui vont le suivre, aimer ce qu'elle fait, aimer sa musique, ce seront des personnes qui seront juste attirées, piégées ou bien capturées comme quelqu'un lance un filet dans l'eau ou bien une hameçon pour attraper un poisson. Au bout de l'hameçon, on met quoi? On met un petit truc juste pour blaguer le poisson. Ces choses-là, c'est la musique là. Et une fois que tu as mordu à l'hameçon, c'est-à-dire que tu as commencé à écouter la musique, la personne même qui est derrière la maison, la même qui est le diable, c'est cette personne-là qui te pointe de son filet. Et toi, tu te dis que tu étais d'adorer Dieu. Et toi, tu te dis que tu étais de servir Dieu. Ah! Tu étais d'adorer le diable même directement sans le savoir. À cause du pacte qui a été fait avant que cette musique-là ne vienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous ici qui aimons la musique, qui avons des casques, qui avons des appareils à la maison, nous devons faire attention à ce que nous sommes en train de faire. Parce que le diable a décidé de tirer partout, même là où il ne faut pas, pour avoir beaucoup de poissons. Est-ce que vous comprenez? Ah! Ça veut dire qu'avant d'écouter une musique, nous devons nous asseoir tranquillement et dire: Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Rebelle-moi. Qui est cette personne qui chante là? Pourquoi chante-t-elle comme ça? Est-ce qu'il y a un pacte derrière? Parce que si vous ne savez pas, nous avons entendu une personne qui disait que elle cherchait la gloire. Et elle allait voir un féticheur, tout ça. Mais cette personne s'est rendue compte que beaucoup de ses collègues, quand même du succès, plus qu'elle, ils sont entrés dans l'occultisme, tous dans des sectes. Il y a certains même qui ont perdu leur virilité, ils ne peuvent plus faire d'enfants. Mais le problème ne s'arrête pas là. Dis à ton ami qu'à côté, mais le problème ne s'arrête pas là. Dis à ta soeur qu'à côté, mais le problème ne s'arrête pas là. Est-ce que vous savez où même va le problème encore? Est-ce que vous savez même où va le problème? Ha. Selon l'information que le monsieur nous a donnée, il dit que le problème va très loin, dans la mesure où, à cause du pacte que lui a fait pour avoir du succès dans la musique, qui l'a rendu même stérile. Ce pacte l'a rendu même stérile. À cause de ça, il est devenu stérile. Donc, quand il va commencer à chanter, l'esprit de stérilité qui lui donne son succès là, va maintenant se propager dans la maison ou dans la vie de toutes les personnes qui vont écouter ces musiques. Et ces gens-là seront envoûtés. Une fois que ces gens-là sont envoûtés, pour qu'ils soient délivrés, c'est dur. Et ces gens-là vont tellement aimer sa musique qu'eux-mêmes, ils ne vont même pas comprendre pourquoi ils aiment la personne comme ça, ils aiment la musique. Mes frères et sœurs, c'est l'envoûtement. Aujourd'hui, là, c'est la sorcellerie, les gens utilisent pour travailler. C'est la pure sorcellerie. Un pacte avec le diable pour avoir du succès. À quoi va te servir tout cet argent que tu auras maintenant? Puisque cet argent, c'est l'argent du pacte et du sang des gens. C'est un truc terrible. Et il ne s'arrête pas là. Hein? Comme on vous l'a dit, il va aller plus loin et commencer à se coucher avec les filles n'importe comment. Vous savez que dans l'industrie de la musique, là, mais c'est connu. Tu arrives, tu as une jeune fille, tu veux réussir dans l'industrie de la musique. Automatiquement, on te propose de coucher avec le patron. Ou même avec quelqu'un, ou même avec deux personnes, ou même avec trois personnes. Finalement, tu vas te retrouver même à deux. Toi-même, tu as perdu ta valeur. Tu perds tes valeurs morales. Juste pour ce que tu veux, juste pour le but de ta vie. Ah, confions nos objectifs à Dieu. Mais écoutons très bien ce qu'il faisait. Si toi, tu es un patron, tu passes ton temps à coucher avec les filles à cause de quelque chose. Ah, l'enfer n'est pas loin. Fais attention.
Écoutez. Puisque le frère Charles était populaire, beaucoup de sœurs ont demandé son aide dans leur carrière. Puisque ce frère-là était populaire, beaucoup de sœurs lui ont demandé de l'aide. En fait, j'ai regardé à l'écran des scènes où le frère Charles Mombaya couchait avec une chanteuse et une femme mariée. Et lui, il profitait de cette belle opportunité-là pour coucher avec ses filles-là. Même si elles sont mariées, il s'en fout. Qui voulait percer dans la musique gospel. Et comme elle disait percer de la musique pour gospel, toi lui, il profite d'elle, il profite, il leur dit, écoute, tu viens, on couche ensemble et c'est tout. Et donc le frère Charles a utilisé sa popularité pour profiter des sœurs. Il vivait secrètement un style de vie d'adultère. De nombreuses chanteuses du Congo ont couché avec le frère Charles quand elles cherchaient l'élévation. De nombreuses chanteuses du gospel ont couché avec lui parce qu'elles voulaient réussir. Ça, c'est pas dans le monde, c'est pas dans le monde. C'est à l'église, non? On dit de la musique gospel. Faites même attention. Dans la chorale. C'est gâté! Le gars, il le maître de la chorale, il donne au niveau fil là même, comme ça. Il les aligne chez lui à la maison. À cause de quoi? À cause même de quoi? Écoutez encore, revenez juste un peu en arrière. Vous allez bien écouter, sans interruption. Écoutez très bien. Dieu en ses disques. Les enfants de Dieu écoutent toujours ses chansons car il était vraiment intense. En écoutant ses chansons, ils invitent le démon dans leur maison et leur vie. Puisque le frère Charles était populaire, beaucoup de sœurs ont demandé son aide dans leur carrière. En fait, j'ai regardé à l'écran des scènes où le frère Charles Mombaya couchait avec une chanteuse et une femme mariée, qui voulait percer dans la musique gospel. Et donc le frère Charles a utilisé sa popularité pour profiter des sœurs. Il vivait secrètement un style de vie d'adultère. De nombreuses chanteuses du Congo ont couché avec le frère Charles quand elles cherchaient l'élévation, alors que la vie de frère Charles était projetée sur l'écran. J'ai vu une scène où il avait des rapports sexuels avec un de ses parentés. C'était de l'inceste qui est un péché devant le Seigneur. Il couchait même avec un membre de sa famille. On dit parenté, c'est même quoi? Genre, toi, tu as ton oncle, ou bien tu as ta cousine, et tu couches avec ta cousine. La fille, tu couches avec la fille au grand frère de ton papa. Mais je le sais ou quoi? Et c'est un chrétien qui fait ça. C'est ce qu'on va dire, non? On va dire, c'est un chien qui... En plus, il dit chien pour Dieu, c'est un chien chrétien. Et tout le monde suit cette personne. Tout le monde suit cette personne. Quand cette personne-là chante, oh, tout le monde est si content. Cette personne va faire sortir une chanson. Cette chanson va parler d'une femme. Cette personne nous fait croire qu'elle chante pour Dieu. Oh, cette personne a promis à une fille avec qui elle sort de lui faire une chanson. Et cette chanson-là, c'est juste pour lui dire, ouais, t'es jolie, viens, on va rester ensemble et puis faire la chose. Juste comme ça. Parfois, les gens pensent que l'argent, c'est bon. Parfois, les gens pensent que la gloire, le succès, c'est une bonne chose. Si ça vient du diable, tu vas faire des bêtises avec ça. Tu ne pourras rien faire de bon. Et même de ton comportement, c'est ce que tu seras en train de faire. Qu'est-ce que les musiciens du monde font? Les musiciens de la musique profane parlent de trois choses: le sexe, la drogue et l'argent. Donc toi, comme ton succès vient du diable, forcément, tu seras un chanteur chrétien du gospel qui va beaucoup organiser des trucs, des concerts, juste pour te faire de l'argent. L'intérêt de Dieu ne t'intéresse plus parce que, de toute façon, tu parles de Dieu aux gens, tu dis Dieu de ta chanson, mais c'est pas Dieu, tu parles pas de Dieu, nous sommes sages, tu parles du diable. Oui, le Dieu des gens est devenu maintenant le diable. Le Dieu des gens est devenu le diable. Ne vous laissez plus avoir par les gens qui viennent au nom de Dieu. Même ils peuvent même commencer par chanter pour dire oh mon Dieu, tu es joli devant les gens, et puis ils sont filmés. Les gens qui font ça, et puis ils sont filmés là. Faites attention, hein. Ils sont des menteurs. Ils cherchent à vous prouver quelque chose, ils cherchent à vous faire, à vous avoir.
Regardez, j'ai même regardé bien, y a un endroit là, il y a un film. Eux là-bas là, eux pour tourner, avant de tourner le film, ils se mettent ensemble, ils chantent, et soi-disant ils louent Dieu quoi. Mais après la louange et la prière qu'ils font là, les filles là ça devient mini. Dans le film, les gens s'embrassent. Ils font des scènes pornographiques dans le film. Maintenant, vous dites que c'est Dieu que vous avez invité à l'introduction de votre quoi. Je ne sais même pas quoi. Vous vous mentez à vous-même. Chaque humain ici a ses actions dans sa main. Et ça te suit comme ça, comme une mouche qui suit du caca. C'est collé sur toi. Tant que tu t'es pas lavé avec le sang de Jésus-Christ, avec la repentance pure et les actions qui les accompagnent, tu es dans les problèmes. Si tu as visité un occultiste pour avoir quelconque succès, va te confesser, il faut te repentir. Avant que la mort ne te trouve, va te confesser devant les hommes de Dieu. Tu as fait un pacte, va te confesser devant un vrai homme de Dieu. Devant Dieu, mets ton genou dans ta chambre, pleure. Dis, mon Dieu, je me repens. Ça, c'est déjà une bonne chose. Regardez ce qu'il était de faire. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous dire par la suite encore? Écoutons. Dans le film de sa vie, j'ai vu que le frère Charles, qui était populaire dans le pays, sortait avec des femmes mariées, qui sont déjà mariées. Il a utilisé sa popularité. Frère, si vous avez des relations sexuelles avec un membre de votre famille, vous commettez de l'inceste. Vous devez comprendre que vous n'échapperez pas au jugement de Dieu. Le frère Charles a regardé le film de sa vie, comment il a couché avec un membre de sa famille et comment il couchait avec une femme mariée, et comment il a recouru à l'occultisme pour réussir dans sa carrière. Quand il avait fini de regarder le film de sa vie, il était en larmes. Il ne pouvait plus protester et se plaindre, car le testament de l'existence avait enregistré tout ce qu'il avait fait, et tout était projeté sur l'écran. J'ai vu que frère Charles était toujours dans le déni, il était émotionné et il ne pouvait pas accepter que ceci lui arrivait. En conséquence, l'ange de la mort, le démon Nickel, a ordonné au démon d'ouvrir quelque chose qui ressemble à un conteneur, et j'ai vu des lézards sauvages et noirs sortir en grand nombre. Ces lézards étaient commandés par l'ange de la mort pour le mordre. J'ai vu d'innombrables lézards se précipiter vers lui et ils ont commencé à le mordre et il fut complètement couvert par ces lézards. Il pleurait et se repentait, mais il était trop tard pour lui. Après cela, il a été jeté dans l'abîme. Quand il a été jeté en enfer, le Seigneur a dit, suivons-le afin que nous puissions voir. Quand la porte de l'enfer s'ouvrit, j'ai remarqué que c'était une porte antique, et quand nous sommes entrés dans cette ancienne porte, j'ai vu que nous descendions. En fait, l'enfer a beaucoup de niveaux. Alors que nous descendions, j'ai vu que nous atterrissions dans un volcan massif où le lave était énorme. Les hommes qui étaient jetés en enfer tombaient dans les laves de ce volcan massif. En effet, cette mer de lave et ce volcan étendu étaient la réception de l'enfer, où les âmes étaient supposées atterrir et être prises chacune dans leurs chambres respectives. Dès que vous atterrissez en enfer net, il y a une place là-bas qui vous attend. Ça connaît pas. C'est comme si des démons, ils sont en enfer là-bas. Certains sont en enfer et d'autres sont sur la terre ici, en train de vous pousser à pécher. Là, dès que vous mourrez là, eux, déjà, ils ont déjà préparé même votre place là-bas en même temps. Disons, ça vous suit. C'est pourquoi on parle des chambres de l'enfer. En enfer, il y a plusieurs maisons. Plusieurs chambres en fonction des péchés des gens. Ceux qui passent le temps à boire beaucoup. Ah. Il y a une chambre là-bas qui vous attend. Ceux qui passent leur temps à coucher avec les filles en mariage. Hey! Il y a même de vraies femmes là-bas qui vous attendent. Mais ce sont les démons. Elles, là, elles sont jamais satisfaites. 24 heures sur 24, vous serez en train de faire les choses. Vous-même, vous allez fuir. Vous allez dire, ah, ici même dans quoi? Les filles qui couchent avec les garçons n'importe comment. Là-bas, ce sont les serpents géants qui vont les pénétrer, mais n'oubliez pas que les serpents géants, sur les serpents géants, il y a des épines, genre des aiguilles qui pénètrent dans les parties. Imaginez la suite. Dis à ton ami à côté, quelle douleur! Dis à ta soeur à côté, quelle souffrance! N'y va pas ma soeur, n'y va pas mon frère. Si tu ne veux pas y aller, rentre le combat avec Jésus-Christ. Combat le péché, fuis-le. Nul n'est parfait, Dieu va nous aider. Il est même prêt, il est même chaud. Fuis ton péché, fuis la masturbation, fuis et fuis et fuis et fuis.
si tu es accro au film pornographique, si tu sais que ça te fait du mal et que ça te maintient dans ton péché, s'il te plaît, il va falloir que tu fasses un très grand sacrifice. Que Dieu t'aide dans ça, que Dieu nous aide tous dans ça. Avec l'esprit de séduction qui frappe le monde ou dans le film, on ne voit que des scènes pornographiques. Comment on va faire? C'est pourquoi il faut beaucoup éviter aussi les films qu'on regarde. Il faut éviter la musique profane. Parce que bien évidemment, la musique profane vient pour salir les valeurs morales, détruire la tête des gens et même des enfants. C'est pour corrompre les âmes. Faites attention. Si tu es dans ce péché, si tu allais voir même un féticheur, même si c'est pour prendre une aiguille là-bas, il faut te confesser. On va prier pour toi. Ta repentance, quand tu vas ouvrir la bouche pour te confesser, la délivrance va commencer par là. Parce que tant que tu n'as pas dit ce que tu as fait, il n'y aura pas de délivrance. Je compte sur toi. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne tous la force, que tu donnes la force de pouvoir traverser tout ça et devenir une nouvelle créature. Nouveauté de vie, nouveauté d'esprit. Même si tu dois abandonner tes amis pour ça, même si c'est ta famille, pour être dans la volonté de Dieu, je pense que nous devons le faire. Que Dieu te guide.